Bienvenue à tous dans votre édition Littoral Hauts-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Équien-Plage, dans la ferme de la Courtille, où Thierry, juste derrière moi, est en train de traire ses vaches, et pas n'importe lesquelles. Grâce à leur lait, ils ont obtenu une médaille d'or pour leur crème crue, et ce n'est pas leur première récompense. Découvrons leur secret. Paresseuses, rebelles ou timides, peu importe leur caractère, ici les vaches donnent chaque jour le meilleur de leur lait. Rien d'étonnant lorsque l'on regarde de plus près leur petit déjeuner, du foin, du maïs et surtout de la betterave. On a coutume à dire que c'est le dessert de la vache, c'est un aliment qui est un petit peu sucré. Ça apporte un lait très riche en matière grasse, donc nous, comme on valorise la crème et le beurre, on a besoin d'avoir pas mal de matière grasse. Résultat, 2 médailles au concours général agricole. L'argent en 2019 pour le beurre doux, cette année l'or pour la crème crue. Une crème bien particulière. La crème du commerce est quasiment tout le temps pasteurisée, donc le lait est chauffé avant l'écrémage. Tandis que nous, on travaille avec le lait qui sort de la mamelle, donc il sort à 38 degrés de la mamelle. Il s'en va directement dans l'écrémage, il est écrémé à 38 degrés. C'est ce qui fait la caractéristique de notre crème. Après l'ajout de ferments lactiques pour plus de goût, il faut rapidement la mettre en pot. Car après plusieurs heures de repos, voici le produit fini. On voit tout de suite la différence, hein. Comme une bonne crème bien ferme, bien épaisse. Mais là, vous allez retrouver vraiment un goût de lait et une bonne onctuosité. C'est du très bon produit, hein. C'est très riche en goût. La crème n'a pas attendu d'être médaillée pour plaire. Marité se rend à la ferme depuis sa création. Elle a tout de suite été conquise par les produits. Quand on a ouvert déjà la pièce de beurre, il y avait l'empreinte sur le beurre. Et puis, alors quand j'ai goûté sur une tartine, on s'est retrouvé vraiment projeté en arrière, du temps de notre enfance. La crème, généreusement. Et rien ne vaut la simplicité pour l'apprécier. La crème crue se marie parfaitement avec un émincé de poulet. Recette testée et approuvée. Bon,